nous sommes le 22-07-10. Bon, et c'est la partie de l'appel du devoir, la guerre moderne. Il va y avoir un hélicoptère américain de reconnaissance qui va se faire abattre. Et on ne sait pas s'il y aura des survivants. S'il y en a, vous verrez un fumigène. Et vous pourrez le suivre à la trace et vous l'entendrez aussi gueuler à l'aide, à l'aide. Et le but de chaque équipe, c'est de l'amener à son checkpoint. Et on est obligé de le porter sur le dos. Alors je vais vous montrer comment on transporte quelqu'un sur le dos. Mathieu, attends, j'ai m'arrêté. Ah bah oui, mais ce sera pareil en partie. Ouais. J'ai vécu, alors. Très important, ça. Les rouges, c'est les communistes. C'est pas les communistes, c'est les ultra-nationalistes. C'est moi qui vais vous commander pendant l'assaut. Vous êtes les Américains, les Marines, les Rangers. Bon, un de nos hélicos s'est fait abattre. Et un hélico de reconnaissance s'est fait abattre à 150 mètres de notre position actuelle. Nous ne savons pas s'il y a des survivants. Allez sur place pour un compte rendu. S'il y a des survivants, vous devez les déplacer jusqu'à votre checkpoint. Je sais, Makarov, votre chef. Nous, les ultranationalistes russes, nous avons fait sauter un hélicoptère américain. Les renforts vont venir. S'il y a des survivants, prenez-les, amenez-les ici, et nous pourrons les interroger. Bon alors, je joue le rôle du rescapé de l'hélicoptère. Les équipes vont aller me secourir. Donc je vais préparer un fumigène orange pour qu'ils puissent me repérer et siffler, ce qui indique le signal. J'ai un rescapé d'un hélicoptère. Help me. Help me, what do you do? Scotchy One. Hey, like Jack. You take. Help me. Help me. Yes. Oh my God. Come on. I'm blessed. Come on, my God. Oh my God. Oh my God. See, yes, yes, yes. Help me, help me, help me. Help me, yes. Oh my God. Oh my God, I'm a shitting God, my shit. Help me, help me, I'm blessed. I'm blessed. No, no, I don't speak, no, 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 I don't stop speak. No, because I'm very, very fort in English. See, yes, because, help me, help me, hurry up, hurry up, hurry up. Help me, help me, help me, help me, help me, it's very, very dangerous. Ramirez, it's my name, help me, help me, help, help, help me, help, help me. I'm in bad posture because I'm very endommaged and my helicopter is crashed. Yes, I'm military. I'm very. Félicitations, les Américains ont réussi à sauver leurs compatriotes qui étaient rescapés d'hélicoptères. Bon les gars, alors hein, qu'est-ce qu'on s'est fait ce week-end, hein? On s'est fait deux, trois petites grosettes, hein? Hein? Et ton dos, ça va mieux? Non! Chef ou chef? Général! Pas chef! Général!
Bon, écoutez, vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à prendre le rescapé. Mais en échange, qu'est-ce qui s'est passé? Les ultranationalistes russes ont réussi à prendre les ruines. Il y a deux ogives nucléaires dans les ruines. Défendez ces deux ogives nucléaires, là. Ouais, bah c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains sont nuls, ils n'ont pas réussi à reprendre les ogives nucléaires. Ouais, les ultranationalistes russes ont le lance-missile. Ils vont mettre les ogives nucléaires à l'intérieur et vont le balancer en direction des États-Unis. Les États-Unis, les Américains doivent démolir le canon à l'aide des explosifs que je vais leur passer. Ils doivent mettre un pétard. Ils doivent mettre un pétard à l'intérieur du canon. Oh ah oui, ils sont tous là. Et les Amerlocs. Nom de Dieu. Bon, je suis Général Stepper, chef ou chef. Écoutez, vous avez grave bourdé. Maintenant, les États-Unis peuvent éclater. Bon. Dis donc, elle est belle l'armée, hein. Un canon russe envoie des missiles toutes les 5 minutes. Vous pourrez le repérer que grâce à ça. Vous ne saurez pas où il est. Sans, il ne veut pas bouger. Alors, vous regardez en l'air. Vous devez être attentif et ne parlez pas. Vous restez groupés tout le long. Nous avons réussi à conserver les ogives nucléaires et à prendre les ruines sous notre force. Maintenant, nous allons pouvoir faire sauter les États-Unis grâce aux ogives nucléaires. Il y a un lance-missile dans les collines. C'est notre autorité. C'est les mêmes que vous allez pouvoir tirer avec. Si vous passez des autres explosifs, vous allez tirer toutes les 5 minutes pour faire un peu sauter les États-Unis. Ah, vous savoir. Enfin, tout à l'heure, il y en a un, il a foiré, il a explosé en arrière. C'est bien, vas-y, alerte-les. Les ogives. Voilà, on fait péter les États-Unis. Allahu Akbar. We'll be right back.
Il en reste un. Il en reste un. Les ogives. Ouais. Ouais. Missile transcontinental. Wow. Bon alors, ce qui se passe, c'est qu'on va inverser. C'est les Américains qui vont défendre et les ultranationalistes russes qui vont attaquer. Le but, ça va être de prendre les deux ogives nucléaires. On va inverser pour voir ce que ça donne, vu que les Américains ont pas réussi tout à l'heure à prendre les ogives nucléaires. Bon, on va voir si les Russes sont meilleurs en attaque. Bon, ben, vous attendrez le coup de sifflet ou l'alerte. Allez, ciao. Ah, attends, j'ai pas vu la pomme.
Attention soldats, c'est très bien, on a presque gagné cette guerre. Makarov est en train de fuir avec ses plus gros soldats. On n'a pas arrêté de gagner, mais il fuit. Deux mastodontes. Voilà, on n'a pas arrêté de gagner, c'est bien, soldats. Deux mastodontes couvrent Makarov. Vous devez le tuer. Les mastodontes sont invincibles. Toutes ces 30 secondes, il va souffler pour donner sa position. Vous devez le trouver, le traquer. Les troupes américaines nous suivent. Il faut fuir. Il faut que vous coupiez ma fuite. Les mastodontes. Alors, Makarov. Benoît, tu devrais te rapprocher du cortège. J'ai peur de me prendre une bille. Quand t'es 30 secondes normales. N'oubliez pas les gars! 30 secondes! Protégé par les mastodontes, dans un petit tunnel. Alors Makarov, parle-moi. Ça va? Tranquillou? Ça pourrait aller mieux. Ouais, si ça s'effondre, ça fait quelques kilos. Je vous dis, je vous dis t'as une chose, il est bien bloqué. Courez! Courez, vous êtes suivis par des snipers! Courez! Oh, ça!
après la partie, l'apéro, comme on dit au sud, on fait l'apéro. Alors les gars, c'était sympa quand même. Oh, comme. C'était sympa, hein. Vous verrez le montage vidéo après. Évidemment. Ouais, salut Jerry. Ciao Mini. J'ai du mal quand même. Ouais, même moi je suis monté avec toi. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, bon, pas de chance. Ah, je vais demain. Non? Viens tous les jours. Jacouillin, je le réfléchis jusqu'au bout. Allez, ciao les gars. Ils enferment. Ils les enferment dans le coffre. Allez, on arrive, Vinouz. On arrive, Vinouz. On arrive, on t'apporte les affaires. On arrive, attends. Enculé. Dis enculé. Attends, c'est dis le bien. Insulte la caméra. Enculé. Je te provoque la caméra. Non mais c'est bon, enculé, casse-toi. Putain, ils sont cons.